Bonjour à tous, Hervé Matou en compagnie de Pierre Ménès pour vous faire vivre ce match de coupe. Je suis tout heureux d'être là, mon petit Hervé. Ah bah oui. Et c'est donc un match international qui nous est proposé aujourd'hui. Et ce match va être placé sous la direction arbitrale de M. Rafael Ruibal Losada. L'équipe à domicile, dont voici la composition. Le schéma tactique retenu par l'entraîneur aujourd'hui. Un 4-5-1, semble-t-il. L'idée est surtout d'empêcher l'adversaire de passer le milieu de terrain. Il est le premier sur cette passe de Wayne Rooney. Le joueur belge qui progresse, attention. Il va pouvoir centrer. Ils enchaînent les passes. Le décalage qui va sans doute venir. Ah, et ça, c'est bien joué. La remise directe, c'est bien vu. On devrait assister à un beau duel à distance avec De Bruyne face à Harry Kane. Disons que De Bruyne est un joueur que tous les amateurs de foot aiment regarder jouer. J'aime bien sa façon de prendre les espaces dans l'entrejeu. La précision de ses passes est assez impressionnante aussi. D'un autre côté, Harry Kane est un joueur très précieux dans la finition. C'est surtout lui que ses partenaires recherchent. Ils savent qu'il peut faire la... Axel Witsel et l'arrêt du gardien. Le ballon est bien sorti, ce sera un corner. Witsel, il veut le faire sortir. Il prend sa chance. Ah, ça passe largement au-dessus de la barre. Luke Shaw. Rooney. Ross Barkley. Les Anglais qui vont essayer de créer le danger. Là, il concède le corner après ce très bon tacle. Allez, dégage, très loin. Kyle Walker. Lukaku. Il y a peut-être une bonne occasion. N'Golan. Et c'est but ! Eh oui, les voilà qui prennent l'avantage. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Au long de la ligne de touche. Et tout le monde participe à cette séquence de passes. Elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. Il choisit de passer par Kevin De Bruyne. Ouais, la bonne intention. Ouais, bien vu ce centre, mais c'est le défenseur qui est le plus prompt. Oh, le caviar! Ouais, jolie conservation du ballon. Oh, la belle passe. Sterling. Oh, elle, la voilà, la frappe. Ballon bien capté par Courtois. Rooney. Le ballon appelle le bal. Peut-être l'égalisation. Le gardien qui repousse. Attention. Ouais, ça sort. Ce sera une touche donc.
Eden Hazard. Ils veulent faire bouger la défense avec ce très bon redoublement de passe. Les attaquants anglais qui sont vraiment en panne d'inspiration dans ce match. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. Kevin De Bruyne. Witzel. Witzel. Ça circule bien. Ils essaient d'étirer ce bloc. Rooney. Ross Barkley. Wilshere. Kyle Walker. Attention à cette perte de balle au milieu. Attention, ça peut être dangereux. Il y a De Bruyne qui perd ce ballon. Sous la contrainte adverse, c'est bien défendu. Wilshere. Ross Barkley. Elle lui remet. Ouais, ça joue vite et bien. Harry Kane. Et bien l'intervention, changement de possession. Witzel. Pereira Carrasco. Et on va jouer 2 minutes de plus. Attention à cette action côté belge. Le gardien a sorti au point. La passe en profondeur. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. Et Joe Hart qui s'impose dans les airs. Oh. Le début de la seconde période avec les Anglais cette fois-ci à l'engagement. Sterling. Luke Shaw. Il s'avance vers la surface. L'égalisation au bout peut-être. Oh oui, but. L'égalisation. Le buteur qui a décidé d'y aller tout seul. Il est parfaitement lancé. Après, il n'y a plus qu'à battre le gardien. Et sur ce ralenti, c'est un autre angle qui nous est proposé. Ça va être intéressant. Un but partout. Les deux équipes dos à dos. Pereira Carrasco. Witzel. Le joueur belge qui progresse. Attention. Axel Witzel. Ballon bien négocié par le gardien. La défense a eu chaud sur ce coup-là. Le gardien est resté très très vigilant, heureusement. Sterling. Rooney. Ah, c'est bien dosé. Les joueurs anglais à la construction. Un ballon intercepté, mal donné ou bien défendu. Sterling. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Ouais, non, finalement, ça a été intercepté. Kevin De Bruyne. Alors qu'on arrive aux deux tiers de cette rencontre, plus qu'une demi-heure à jouer. Le remplacement qui a été demandé par l'entraîneur. Attention, si ça rentre. Un ballon perdu, l'adversaire s'est interposé. Wilshere. Kyle Walker. Action anglaise qui pourrait devenir dangereuse. Thomas Meunier.
Dembélé. Ah, le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. René. Théo Walcott. L'Angleterre qui pousse. Le gardien qui va sortir. René. L'attaque anglais qui trompe le gardien. Il est toujours dans les bons coups, Rooney. Voilà, il est dans les 16. Et c'est un diable dans cette zone, un modèle de finition. Vers ce but, toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. Et 2-1 donc maintenant. Moussa Dembélé, 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. L'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement. Ça bouge sur le banc. Eden Hazard. Ouais, elle a lutté à Prin pour reprendre ce ballon. Sterling. Luke Shaw. Allez, ça continue. Les échanges de passes. Thomas Meunier. Ouais, bien vu, Wayne Rooney qui récupère le ballon. Wilshere. Attaque anglaise. Harry Kane. Non, ça passe largement hors du cadre, cette frappe. Les supporters anglais qui voient leur équipe faire la course en tête et qui sentent bien que ce match n'est pas encore terminé. Ouais, bon ballon. Rooney. Et le but de Wayne Rooney. Ouais, magnifique finition. Eh bien oui, c'est son deuxième but personnel aujourd'hui. Le but encore, mais sous un autre angle cette fois-ci. Et avec ce nouveau but, ça nous fait donc 3-1 maintenant. Alderweireld. Pereira Carrasco. Peut-être une occasion pour la Belgique. Manque d'application sur ce centre et la défense qui peut éloigner le danger. Elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. Thorgan Hazard. Elle frappe contrée par. Il choisit la frappe. Sur l'aile pour Théo Walcott. Barclay. Sterling. Oh, la mauvaise passe. Il ne l'a pas regardé où il la mettait. Il avait bien senti le coup. On va jouer 3 minutes de plus. Ça n'ira pas plus loin. Et alors, le gardien qui peut facilement s'emparer du ballon. Il avait bien lu la trajectoire. Et cette rencontre qui s'achève à l'instant sur cette belle victoire 3-1. Voilà, ils ont eu moins le ballon. C'est un joueur très précieux dans la finition. C'est surtout lui que c'est pas. Axel Witsel et l'arrêt du gardien.
Bonjour et bienvenue à tous. Au menu du jour, un match de coupe. Installez-vous, vous devriez vous régaler. Bonjour, très heureux de vous retrouver pour ce match. Dans quelques instants, ce sera le coup d'envoi de ce match international. L'équipe à domicile, dont voici la composition. Côté tactique, l'équipe va évoluer en 4-5-1. Dispositif ingrat pour l'attaquant de pointe qui peut courir énormément et jamais toucher le ballon. Ah non, c'est pas bien fait ça. Attaque anglaise. Jimmy Vardy. Cyprian Tatarucanu. L'arbitre qui n'hésite pas à siffler très vite. Vlad Tchitchires. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Et ce ballon qui est récupéré. Lallana. Drinkwater. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. L'occasion pour prendre les devants. Et la très bonne intervention défensive. Drinkwater. Allez, peut-être une bonne occasion. Sturridge. Attention. Et le ballon au fond. L'ouverture du score dans ce match. Une très belle maîtrise collective hein, sur cette action. Oui, les joueurs ont fait tourner le ballon et puis le buteur s'est retrouvé d'un seul coup face au gardien. C'est très très propre. Le but encore, mais sous un autre angle cette fois-ci. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Et ce ballon qui est perdu. Drinkwater. Lallana. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Attention, la passe en profondeur. Tranquillement hein, pour le gardien à ce centre. Belle prise de balle. Ah, il a bien senti le coup. Il va peut-être pouvoir égaliser. Ballon bien négocié par le gardien. Denis Rose. Milner. Nathaniel Klein. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Il la joue un petit peu comme au hand, hein. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Jamie Vardy, pas de souci pour le gardien qui a bien conservé ce ballon. Lallana et ce ballon qui est perdu. Attention, ça peut être dangereux. Allez, il va pouvoir jouer avec ses coéquipiers. Milner. Sturridge. Ouais, bien joué. Attention, ça peut faire but. Et but pour l'Angleterre.
Eh bien oui, c'est son deuxième but personnel aujourd'hui. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Ils accentuent leur avance. Le score qui est désormais de 2-0. Gabriel Torge. Takos Grigor. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une percée. Ah, il y avait mieux à faire sur ce centre, c'est trop facile pour les défenseurs. Nathaniel Klein. Et on va jouer 2 minutes de plus. Oxlade-Chamberlain, Nathaniel Klein. Et le break peut être fait à la peau. Seconde période. Il peut encore se passer plein de choses, hein, Pierre. À tout dépend de ce qu'ont décidé les entraîneurs, hein, puis aussi de la fraîcheur des joueurs. Gabriel Torge. Attaque les propres, mais ballon toujours en jeu. Attention, il a du champ devant lui. Ouais, ça construit devant le but, sans se précipiter. La frappe, pas de souci pour le gardien. Ils vont pouvoir jouer la touche. Touche à nouveau. Danny Rose. Sturridge. Le long de la ligne de touche. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. Oh là là, l'occasion. Ouais, quel but! Magnifique! D'abord, il y a cette belle circulation de balle. Après, le buteur est parfaitement lancé et il n'a plus que le gardien à battre. Il n'y a rien à jeter dans cette action. Un but qui permet à cette équipe d'accentuer encore son avance. On voit mal ce qui pourrait empêcher cette équipe de gagner cette rencontre maintenant. On va peut-être mieux voir ce qui s'est passé. Un 3-0, toujours pas de réaction en face. Vlad Tchitchires. Lallana, Binder, le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain devant son public. Oui, ça devrait se faire au prochain arrêt de jeu. Enfin, si le quatrième arbitre ne se plante pas avec ses panneaux. Ouais, il lui redonne. Ça part bien, action dangereuse. L'attaque enrayée par la défense. Ouais, ben bon, ça n'ira pas plus loin. Oui, attention. Il est parti seul au but, mais il a complètement manqué le plus important finalement, le dernier geste. Ouais, je crois qu'en fait, il a trop voulu en faire. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Le tir. Ouais, le tacle et le ballon qui sort en corner. Il reprend ce ballon de la tête. Et le gardien qui remporte son duel. Le remplacement qui a été demandé par l'entraîneur. Au prochain arrêt de jeu, il va pouvoir faire son entrée devant son public. Attention, ça peut être dangereux. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. Attention à la frappe. Ballon capté par le gardien. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie.
Il s'avance vers la surface. C'est un centre. Ouais, bien vu ce centre. Mais c'est le défenseur qui est le plus prompt. Il intercepte. Et l'entraîneur qui demande à ses joueurs de se projeter plus rapidement dans la surface adverse. L'entraîneur veut donner un visage plus offensif à son équipe. On risque de voir de longs ballons dans la surface maintenant. Ouais, le ballon qui continue après ce tacle, qui va le prendre. Oxlade-Chamberlain. Le gardien qui va sortir. Ouais, bon, bah, Sturridge, la frappe. Les Anglais qui marquent. On voit le joueur qui fixe le gardien avant de donner dans le bon timing à son coéquipier. Ouais, à 2 contre 1, après le but est grand ouvert. Ils ont joué le coup avec lucidité. Ouais, ça fait 4 à 0 maintenant, l'addition commence à être lourde. Comme on pouvait s'y attendre, Pierre, le favori, n'a pas déçu. Oui, ils étaient attendus pour ce match, le score est tout à fait logique. Les 30 derniers mètres. Ouais, non, finalement, ça a été intercepté. Oxlade-Chamberlain. Nathaniel Klein. On en est à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre avec un tir. Ah, c'est contré. Ouais, touche pour l'Angleterre. Danny Rose. Milner. Oxlade-Chamberlain. La frappe. Ballon bien négocié par le gardien. C'est un corner. Le centre. Ouais, l'intention était bonne, mais c'est le défenseur qui a pris le dessus. Ah non, pas là, le ballon est perdu. Il récupère ce ballon dans l'entrejeu. Passe en profondeur. Ah non, ballon perdu. L'arbitre a accordé 3 minutes de temps additionnel. Daniel Sturridge. Attaque anglaise. Oui, dans la course. Oui, la frappe. Oh, le but de Jamie Vardy. Là, je crois qu'on peut dire que le match est plié, hein, Pierre. Oui, Hervé, ce qu'on pensait se confirme. Il y a une équipe qui est bien plus forte que l'autre. Attendez qu'on voit ce but d'un autre point de vue. Le score qui est à présent de 5-0, ça va être dur pour eux quand même. Et voilà, c'est terminé. Fin de la démonstration. 5-0, c'est une véritable correction. Il n'y a pas eu de match, hein, vraiment. Il y avait une seule équipe sur le terrain.